Yop tout le monde, me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'application Super Snap. Alors pour utiliser Super Snap, bah, déjà il faut avoir Snapchat et un compte Snapchat. Donc Snapchat il est sur Android et iOS, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc comme vous savez, Snapchat il sert à envoyer des photos qui s'auto-détruisent au bout d'un certain temps, donc 24 heures pour votre histoire, et sinon vous choisissez entre 0 et 10 secondes. Voilà. Et la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est prendre les photos de votre galerie. Et bien avec Super Snap, c'est possible. Alors Super Snap, que voilà, je clique dessus, donc vous pouvez vous en servir comme Snapchat. Vous allez là en haut à droite, photo vidéo, donc photo. Vous prenez votre photo. Donc utilisation normale de Snapchat, enregistrer, et voilà, vous faites votre texte, tout, vous cochez, vous envoyez à votre liste. Mais nous on va s'intéresser à l'option principale de Super Snap. Donc vous allez dans votre galerie, vous prenez une photo que vous voulez envoyer, donc moi je vais prendre elle. Vous allez dans partager, dans le partage de votre téléphone, donc vous avez tout, message, mémo, tout, et Super Snap. Donc Super Snap. Vous positionnez votre photo comme bon vous semble. Voilà, moi je vais faire comme ça. Et vous pouvez écrire pareil que sur Snapchat. Sauf que vous pouvez faire le texte à l'infini. Il n'y a pas de limite de texte. Donc voilà, moi je vais vous marquer ça. Par la même occasion, je vous mets mon Twitter. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est ça. C'est que vous pouvez écrire tant que vous voulez. Bien que maintenant, avec la mise à jour Snapchat, vous pouvez écrire aussi, mais sans la photo. Alors que là, vous pouvez mettre la photo en plus. Voilà, donc vous appuyez en haut à droite, ok, donc vous avez toute votre liste, vous pouvez faire select all, donc voilà, vous sélectionnez tout le monde. Bon, moi pour ça, je vais sélectionner un bisu, voilà, et vous cliquez en haut à droite sur la flèche. Voilà, ça lui envoie la photo et ça vous ramène à la galerie. Voilà, donc c'est très simple d'utilisation, donc la vidéo elle est finie, par contre... Super Snap, il n'est plus sur l'Android Market. Enfin, ouais, le Play Store, il est plus sur le Play Store. Donc, il faut télécharger l'application Aptoide pour l'avoir encore. Mais moi, je vais vous mettre directement le lien dans la description. Au moins, vous n'avez pas à vous faire chier. Vous cliquez dessus et vous l'avez directement. Voilà. Donc, ben voilà, la vidéo elle est terminée. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez aimé, likez. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, dites-moi si vous n'avez pas aimé et pourquoi. Et bye pour une prochaine vidéo.